Pardonnez-moi, mon Père, car j'ai péché. Qu'est-ce qui vous tourmente, mon fils ? C'était il y a 3 jours. Asseyez-vous. Est-ce que vous savez ce qu'on fait ici, dans cette organisation ? Oui, monsieur, j'en ai une idée. Regardez-moi dans les yeux. J'en ai une idée, oui. Oh ! T'en as une idée ? Toi, là ? Mais qu'est-ce que tu peux en savoir, mis à part les conneries que racontent les journalistes ? Hein ? T'as une idée de l'importance de la cause qu'on sert, ici ? Tu crois qu'on est des cons, c'est ça ? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Nous, en revanche, on a beaucoup d'informations sur toi. Hein ? Tes potes venaient dans le West Side, comme des parasites, mais toi, t'étais plus intelligent que les autres. Hein. Monsieur a été à l'université. Hein ? Rat de bibliothèque la semaine, rat d'égout le week-end. Dommage que votre manque de sang-froid vous ait perdu. Frapper un professeur. Même moi, j'aurais pas osé. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir ? Dis-moi. Comment tu peux penser avec un pédigré pareil, sale putain de nègre, qu'on va te laisser intégrer la police d'Atlanta ? Le coût de la liberté est moindre que le prix de la répression. Ouais, c'est de qui ces conneries ? William Edouard Dubois. Milly, en admettant que vous arriviez à intégrer un district, je doute que la vie de policier soit très facile pour quelqu'un de votre race. Un accident est vite arrivé. Savez-vous qui étaient ces hommes, précisément ? J'ai seulement reconnu celui au centre. Mathias Quinan, un avocat. Quinan ? Vous le connaissez ? Cette église a failli ne pas exister à cause de lui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'académie de police ? Pouvoir aider les citoyens. Oh, hey, arrête de jouer au con avec nous, là. On sait qui t'es. Le baratin idéaliste, ça marche pas avec nous. Vous n'êtes pas le premier à tenter de vous rapprocher des forces de l'ordre pour servir ses propres intérêts. Écoutez, moi, je veux juste être utile à l'État. Je vous assure. Mais c'est ce que nous voulons, nous aussi. Contrairement à ce que pourraient laisser penser quelques scandales qui nous discréditent. Pendant qu'on se tuait à éradiquer le trafic d'alcool dans la région, ton frère James... Il jouait les serveurs dans un bar clandestin minable. Il a été retrouvé battu à mort dans une ruelle, il y a 3 ans. Vous connaissiez le nom du tueur ? Une petite frappe, je crois. Un certain Walter. Tout juste. Walter Smith. Retrouvé assassiné d'une balle dans la tête. 2 mois après la mort de ton frère.
La police n'a pas trouvé de coupable. Nous, en revanche... Dis-moi, qu'est-ce que pourraient penser nos amis si on leur apprenait qu'il s'agissait d'un nègre ? Des policiers, en plus. Hein ? Moi, je donnerais pas cher de sa peau. On peut encore passer l'éponge. Contre un petit travail d'intérêt général. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Si tu marches avec nous, on te permettra d'intégrer un commissariat de banlieue. Et tu seras tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Dans le cas contraire, justice sera faite. Tu vois ? Si tu veux servir l'État. C'est ta chance. La décision t'appartient. Mais que vous ont-ils forcé à faire ? Je peux vous aider à rattraper vos erreurs. Les temps sont en train de changer. Je suis désolé. C'était ça ou ma vie. J'avais pas le choix.